Congolais Panda. Oh, Congolais Panda. Congolais Panda. Azuli kanisi ya malamu puna kusepelisa Banambuka Kongo Kongo Lipanda Asali Libango Kongo Lipanda Kaninga Puna kuyeba historia Kongo Landa Kongo Le fils de Dieu virent que le fille des hommes était belle et ils ont pris pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent, alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ce jour seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que le Fils des dieux furent venus vers le Fils des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Et le cinquième verset ajoute ceci, en disant, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Donc, nous devons réaliser une chose. Autre photo, il est clairement que le mal a commencé Kala, Mabé, Bandai Kala. Mais qu'est-ce qui a fait que Awa Nzamba s'est repenti? Nzamba s'est repenti à l'obi que je veux exterminer l'homme et puis mon esprit ne restera plus comme auparavant dans l'homme. Donc Dieu réduira même le jour où il y a Moutou. Parce que Moutou, on va vivre, beauté. Le nombre d'années n'abîmes, c'est limité un peu, à 120 ans. Plus long, Moutou, David Alobi, le plus robiste mourant à 80 ans. Et puis le robiste à l'âge de 70 ans. Donc au moins que, avant ça, l'homme vivait, il arrivait même à atteindre 900 ans. Par exemple, le cas de Mathusalem. Donc l'homme qui a plus duré sur la terre. Il est arrivé jusqu'à totaliser 900 et quelques ans. Mais après Mathusalem, la Bible dit que le mal était accru. Dans ma bête, comment il est tellement macassi. Ce qu'on foutait dans ma bête. Macassi, ma bête, on a pédophilie, homosexualité. Oui, ce qu'on trouvait, bon, oui, ma bête, comment il est tellement macassi. Ce qu'on m'a béni, ne ressent rien, ça m'a se repentir. Ah, ce qu'on trouve qui est clairement au moment extermination. Pourquoi dans ma zone, bon, tout ce qu'on a histoire, il y a Lot. Autour, au moment que. Pourquoi dans ma zone, il y a qu'au massico. Mais avant, tout le temps, on a histoire à Lot, mon sale, dans ma bête. Au coup, c'est la différence entre Moutou et Tcheboye. Moutou et Tcheboye. Moutou et Tcheboye. Bon, Moutou et Tcheboye, n'est-ce pas le chiffre 2. Régulièrement, les gens disent que c'est le signe de la victoire. Mais or, tout le monde n'a que 2 Boye. Quand un initié fait ça, ça symbolise aussi une pyramide renversée. Mouna. Et puis, c'est la pyramide renversée. Parce que pyramide, ils ont 3 angles. Donc, Tomoni, pyramide Moussou, Eza, pointé, hein? Eza, dirons-je, fait, pyramide où Eza n'a sens, moko, comment dirais-je, fait, Eza, Nako Lobaneni, excusez-moi pour les termes, pyramide où Eza renversé, et puis pyramide où Eza normal, hein? Une pyramide normale, Tomoni, que Eza bouillé, et Salami bouillé. Son occultisme et pyramide de l'Aksani. Ce qu'au pyramide de l'Aksani, c'est simplement d'abord la spiritualité. Tant au monde, pyramide au monde. Dans le bon sens ou bien dans le mauvais. Dans le bon comme dans le mauvais. Pourquoi je dis dans le bon comme dans le mauvais? Dans la pyramide au monde, sauf dans l'Egypte au monde, dans la pyramide d'Egypte au monde, il y a des connaissances cachées et belles dans la pyramide. Dans le monde, la connaissance au monde est épuisée et puis aujourd'hui, ça, c'est battu. C'est la histoire dans le monde, l'élo. Mais ce qu'au monde, c'est que. Pyramide et au symbolisé biso corps âme esprit et puis et il y a biso la loi du triangle donc on a repris ça par exemple la loi du triangle un exemple mot simple moi si ce qui balingani na mobali hein babalani bakobota moana donc et puis biso nini
triangle. Donc, il y a l'homme, la femme, et puis l'enfant. Surtout, le corps, l'âme et l'esprit. Et puis, c'est un triangle. Donc, il y a une spiritualité. Et me régir peut vivre à mon tour. Parce que ce qui peut être une pyramide, c'est que tu comprends que la pyramide est une divinité. Parce que la divinité, il y a deux façons. Nous avons la divinité pure, où tout le monde est le créateur, et puis tout le monde est une divinité où il y a infernale. Quand j'ai dit infernale, pourquoi? Parce que où il y a une satanique, où il y a occulte. Il y a connaissance cachée, une connaissance mystérieuse. Donc, kabbalistique, n'a précisé. Où il y a relié, n'a pas connaissance luciférienne, où il y a diabolique, diable à paix ça. Donc, c'est un peu ça. Ok, tout le monde en a numérologie. Explique-nous un peu, la numérologie, c'est quoi? Bon, comme je venais de le dire, que début de mission, on a toujours parlé sur la numérologie. Qu'est-ce que la numérologie? J'avais déjà défini la numérologie comme la science qui étudie les chiffres. Le chiffre. Pourquoi le chiffre? Tout le monde a que les chiffres, moi, chiffre, bandit, banane la création. Dans Genèse chapitre 1, tout le monde, la Bible dit, Dieu créa le premier jour, Dieu créa le ciel et la terre. Donc tout le monde a déjà une numérologie, bandit, wana. Donc, chiffre, c'est le moment où on s'en passe dans la vie. Ce n'est pas pour rien, même temps, tout le monde a un moment où on a autant le même jour. On a les 16 jours. Et puis, même au moment où on a une numérologie qui est plus loin, on a même de son vivant. Il y a un mystère, il y a un chiffre. Par exemple, on a un exemple simple. Il y a un politicien. Et un dont j'étais le nom que Batoubayebi, il a parlé de sa vie. Alobi, à Botama, jour le 4 par exemple, oui, c'était le 4. Le 4. Le 4 entre octobre, oui, un de nos politiciens, hein, à Outaïpe, comme ça, l'élection, Awa, et les cas qui ont des faveurs, Toyebi, il est né le 4. Alobi, il est le 4. Moi, on a que même jour où il y a pas que ça là bas dépôt il y a candidature naie bah chaque il y a pas chiffre 4. Hein, et puis lui il en parlait plus, donc sûrement qu'il connaissait quelque chose à propos du mystère des chiffres aux hommes. Surtout aux hommes, la Bible nous a dit que mystère des chiffres bandit banane la création. Donc ton moni premier jour, ti sixième jour, donc ça m'a dit pendant 6 jours. Donc les 6 jours là sont vraiment importantes, hein, et sont vraiment importants, excusez, 6 jours. Au moment que nous avons eu le premier jour, nous avons salé Mokiliboué. Deuxième jour, nous avons salé Bilogoboué. Troisième jour, Tito Komi na sixième jour. Tito Komi na septième jour, le bébé, ce chiffre de repos, Dieu s'est reposé le septième jour. Pourquoi la Bible peut émarteler sur 7 jours de la création? C'est que les élus ont s'en passer dans la vie. Donc la vie, les chiffres, les mystères des chiffres, fait partie intégrante de la vie d'une personne. Donc c'est vraiment très important, Moutoye ba, mystère, il y a ba chiffre. C'est pourquoi j'ai parlé de la numérologie. Mais explique-nous. Nakati ya mystère ba chiffre, ni na lobby na Genèse expliquer biso chiffre 1 et marambo et sala magi chiffre 2. Au moment nasko sona kineti côté hors la parole de Dieu, tozu neti côté mystique par rapport à ya ba connaissance to moni na mokili oyo, to moni premier jour, deuxième jour nenge ba religion mususu bezo lobela ngo oza en dehors ya christianisme. Il y a christianisme, on a que la religion n'a pas de sanine. Ils ont payé sa explication, il y a un chiffre, moko, selon la connaissance secrète et la connaissance mystérieuse, il y a un ordre. Donc, au moins, le chiffre 1, ils ont exprimé, par exemple, ce qui est dans le coquille, dans le bilan, et pas dans le domaine, et pas dans la religion, par exemple, bon. Na une science que j'ai pratiquée bien avant. Par exemple, dans le rose du christianisme. Hein? Au Roman, que d'abord, le rose du christianisme, déjà, c'est d'abord une science qui vient de l'Égypte. Hein? Qui vient de l'Égypte, parce que c'est l'ensemblage avec l'école des mystères d'Égypte, Ndesali, et l'Oba Bengi Rose Croix. Donc, Anticus Mysticus Ordo Rosa et Christus. C'est en latin. Et l'Oba Bengi Rose juste ancien mystique ordre de la Rose Croix. Au Romona, nakati ya ordre wana, tant on mutakomi initié, babandaka, na degré de néophyte. Donc, mutabani na 0, 1, 2, 3, tiba, osuka na 12.
ils ont 12 degrés dans le domaine na nini na katia ordre wana na 12 degrés wana omuna premier degré ils ont enseignement nango deuxième degré pesant enseignement nango troisième degré pesant enseignement nango ti na 12e degré tout le monde donc juste ça ben niveau pe ya spiritualité au monde ça nini azo koma nango omuna yango na lobaki mystère de chiffres parce que chiffre est bon mi langage na kati. Mais avec ces phénomènes, tu sais comment la prière, moko eza tombe sous les 8, 8, na 8 heures, eza qui, y a un peu par un mystère à chiffres. Ok, ok, merci beaucoup. Et puis, comme nous sommes en train de dire la vérité, et puis révéler certaines choses que beaucoup de gens méconnaissent, on a besoin d'ignorer mingi lelo. Vu que nous sommes dans un temps, je l'avais dit l'autre fois, que tout ça atteint une confusion et une distraction. Donc, bananza mi bazo sambela mazo e bateni nezo le kanaka te l'église. Oyoka, mystère des chiffres. Pasteur, tout prophète à l'obi, né dans Zabou, tout ça, 7 jours de prière, 7 à 7 heures. 7 à 7 heures, on est comme si on a des gros offrandes. Une offrande est comme il y a quantité. Donc, offrande, on a équivalence, on a par rapport à chiffre, on a un peu de pêche. Sauf que l'obi, 7. Donc, offrande, on a 700 francs. On a 7 000, tu es débordé. Or, ce que nous avons dit dans la Bible, au moins, la Bible est là, Makamouya. Il y a appel des fontiers, hein, fondant à la clé, appel des fontiers, et puis qu'on numéroté, bah offrande, net au monde, bah tout le monde a offrande à 7000. Bon, or, ce que vous avez dans la Bible, au monde, que, Makambo et Salamonet, par exemple, il y a, comme ça, le mystère des chiffres, dans la Bible, dans la Bible, il y a Ezali. Tout le monde a dit, histoire, il y a Jéricho, hein. Dans le livre à Josué, dans le temps en haut, ceux qui ont autant rapidement. Tout le temps, il y a un mot à moi. Je vais vous dire que Josué. Dans Josué, Josué chapitre 6. Et le bien a vu ce mot. Josué chapitre 6, le verset 1, j'ai lu au Seigneur. Il est dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 6 jours, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront 2 trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et les peuples montera chacun devant soi. Amen. Donc, déjà, lecture on a tout ça là. Ils ont révélé ce lourd mot sur les mystères, même il y a chiffres, na kati même il y a histoire. Au moins, Dieu dira à Josué, à Salanini, vu que Mir et à Jéricho, il y avait un problème. Josué était buté à un obstacle. Donc, il y avait un problème. Il y a Mir et à Jéricho, ils avaient comme barrière. Hein? Cette ville-là, vu que le peuple de Dieu allait vers la terre promise, puisque c'est ça, allait vers la terre promise, il s'est fait que Jéricho, pour Israël, était un obstacle. Or, il fallait Jéricho s'anime. Et quoi? Il fallait Jéricho quoi? Pour le peuple d'Israël s'anime. À continuer chemin, et puis, à Zoua, où est-ce que là? Mais les 7, les 8, les 8. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Nous avons dit, nous avons dit, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois. Nous avons dit, 1, si tout le monde est 7, tout le monde est 6, tout le monde est 7. Et puis, nous avons persisté dans 7. Parce que nous avons dit, 7. Pourquoi nous avons dit, 7? Parce que nous avons dit, le monde a dit, chiffre 7 dans la Bible, et jour, il y a un chiffre, chiffre repos, le repos de Dieu. Donc, Dieu finit sa création le 7e jour. Donc, on a tout le monde, on a Genèse chapitre 2. Donc, le 7e jour, Dieu a eu le temps de finir tout ce qu'il avait fait. Il s'est reposé. N'est-ce pas la Bible, l'obi. Et puis, ce jour-là, n'est-ce pas dans mon kili. Ah ouais, vu que la Bible est un livre prophétique, et puis, tout ce qui interprète la Bible parle de la révélation. Donc, il faut que le Saint-Esprit a inspiré mon sanine, a révélé la parole de Dieu. Au moment où on a ce qu'on dit, Batou, à partir du 7e jour, les gens ont eu un langage, hein, pour appeler le 7e jour le jour du repos de Dieu. Et puis, tu es comme le 7e jour, comme le jour courant, c'est comme chiffre de repos.
on a selon la parole de Dieu. Mais selon les occultistes, c'est aussi à un langage. Quand je dis ça, pourquoi? Parce que Romona, il y a un mystère, il y a un chiffre, il y a un serpent. Hein? Il y a serpent, tout le monde dit, ils ont 7 lettres. Hein? 7 lettres pour ce bandit. S, E, R, hein? P, E, N, T. Il y a 7 lettres. Parce que dans la Bible, Romona, vu que je parle de la numérologie, Romona, dans l'histoire d'Égypte, il y a un nionso. En Égypte, il y avait un serpent na chapeau na bango, hein? Ba chapeau bando tcha na mutu. Hein? Il y avait un serpent là qui avait 7. Donc le serpent déjà a 7, le serpent s'écrit avec 7 lettres déjà. Parce que 7 lettres il a qui nini, serpent en anola ça nini. Or au moins que ça parle simplement de la sagesse. Or cette sagesse qui est ésotérique. Donc quand je dis ésotérique, mystique. Donc mayele o eza caché o que ba non initié. Bah oui, qu'on parvenir na ngote. Bah non initié au bazar na kati ba confrérie mystique, t'es tout basé connaissance moro ésotérique, t'es diabolique, t'es bah qui qu'on participer na connaissance ouanaté. Donc, ezaka juste réservé na batu au yo bazar ba initié. Donc initié, n'explique qu'on l'autre fois que initié veut dire initiare. Donc commencer ou accéder à une connaissance secrète. Donc au côté na connaissance moro au ezaka au yeba qui non les logos moli bosoté. Bah côté sur ce qu'on a kati logo. Parce qu'au moment na que pharaon a reporté Nini, serpent. Pourquoi on a l'obéli serpent? Parce que Romona, lorsqu'il y a eu confrontation entre la magie d'Égypte et la divinité de Moïse, le dieu de Moïse, Romona, il s'est fait que Moïse avait pris un bâton à bois qui n'est pas belé et commis serpent. Or, Romona, que Dieu aussi utilise les serpents. Dieu aussi utilise les serpents. Mais les serpents de Dieu, donc, les serpents de Moïse et les serpents de l'Égypte, au moins qu'il y a une différence entre ces deux serpents là. Serpent il y a égyptien, bah serpent égyptien, bazaki mon côté, bazaki ébélé. Hein? Bah serpent égyptien, bazaki ébélé. Mais au moins que le serpent de Moïse, il n'y avait qu'un seul serpent. Oh Moïse a boragi dans le bâton que Moïse avait jeté par terre, ezaki karamoko. Mais kou na monaka, ezaki ébélé. Et puis le seul serpent de Moïse, ozaki yemoko, asalanine, avala bah serpent ana nyonso, amela bango nyonso. Oui, là nous connaissons l'histoire. Bah, chrétien Bélé, bah, Zola, on a abonné la bise ya Congo Lipanda. Mais quand même, Tolingi, oh, mais quand on fonge la bise, l'or au moko par rapport ya mystère, soit des ya chiffres, voilà. Tous ans, pour ça, toi, y'est bah programme, moi, on a l'église, nous sommes sur Pesaka. Parce que au Bélé, la bise, les camouilles, y'a ignorance, na distraction, na kate église. Mais ça aussi, ça est cause à la paix parmi bah ignorance, soit bah tous ans, on a kate église. Donc, on met un peu de temps à faire ça. La télévision, là, je vois, malgré que je n'ai pas encore les lots, je vois déjà, on me fait signe derrière la caméra. Tout le monde qui est chité, malin, mais aussi longtemps, na nous pensons au fond de la mémoire, au Italy. Ok, merci beaucoup. Parce que, toujours, il y a un mystère des chiffres. Pourquoi on a aussi soulevé le serpent? Pourquoi? Parce que, tu vois, le mystère, surtout, il y a connaissance. Il y a un peu de mais puis le diable ne peut pas se servir. On a expliqué serpent. Serpent, ce qu'on a, problème n'abîme pas les toyeba. Pourquoi, dans quatre églises, bah toujours le bel à 7 à 7 heures, 8 à 8 heures, 3 jours il y a jeûne, il y a prière, tout ça. Est-ce que c'est inspiré de Dieu ou ce n'est pas inspiré de Dieu? Parce que faut toyeba que ah tout le monde il a livré Josué, tout le monde nous a inspiré de Josué, nous a mené dans Josué le bénin. Tu feras le 7 fois le tour nini à Jéricho. Mais ce paysage, pasteur, on a nous a même tout inspiré. Ce que nous a mettant ont inspiré, vous savez. Tout en lisant l'histoire de Josué, bon, on a logique moi Boisali, logique moi Ezan Nakati, il y a mystère ou il y a des chiffres même dans ma haute langue la Josué. Au comment on a nini? Nakati a organisation, il y a orchestre, hein, tant on dit si nani Josué, si Ozoa, 7, hein, 7, sur notre temps on rapidement parce que c'est très important pour toujours le mystère et les chiffres, faut comprendre le quoi. Les versets 3, n'attendons rapidement. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 4 lobbies, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Les 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront 2 trompettes. Tosukiwana. Donc, à Otomonike, nous avons enseigné Josué à Salanini à Asala 7 fois le tour.
azolobela kaka mystère ya ba chiffre. Pourquoi on a le mystère ya ba chiffre? Parce que au moment que na processus wana po Israël a la délivré, il faut nini? Il faut passer la 7 fois. Nzama martelé wana. Sikoyo makambo yo tozolobela oyo ya mystère ya ba chiffre. Soto koti sikona kati église lelo. Omona. Mystère ya ba chiffre oyo na kati ya Bible awa et même ma délivrance. Quand je dis délivrance pourquoi? Parce que mira Jéricho ko ya. Omona. Mais est-ce qu'on est commis, tu remontes au mona, à au mona, par exemple, encore l'option, encore l'oba, au mona, il y a d'autres serviteurs, de beaucoup de serviteurs de Lévi que nous sommes aussi au temps de la fin. Au moins, les serviteurs sont belés, ils sont initiés. Dans la Bible, initiés dans les sciences occultes. Maintenant, comment que l'Église, les serviteurs de Dieu, ils sont initiés? Ok. D'abord, dans le fond, là, au moment, on continue une mission, il y a une construction, où ils sont occultes. Dans la construction occulte, au moins, il y a une construction maçonnique, ils sont. Ma construction bateau ma franc-maçon les alliés n'importe quelle église est belle. Pourquoi t'as eu cette des églises au Yébi qui va nager à construction? Bon, ils ont une église moko na mona régulièrement na qui ça hein? Na mona rango quelque part sûrement na Lemba hein? Na Lemba en face ya hein? Donc na Lemba disons en fait hein? Précisément je disais qu'il y a une église là où na mona rango na Lemba ils ont la forme moko pyramidale na Yébi. Loba combo zoba. Vu que tout ça la télévision, je crois dans le Bible. Yo yo, Bimi, ça va vérité. Introduire, mettre développer, nanine, parce que et quand bon, ça bise sur par rapport au ministère des chiffres. Nous allons bilaka ka, les Camerounais, on a répondu par rapport à question tout tout dans la Lemba. Il y a une église à Lemba là, construction, mais construction, tout le bilaka construction, la prochaine émission Colanda, oh et Colanda. Parce que nous allons dans le ministère des chiffres. Au moment la pasteur dans cette église, à l'obi, 7 à 7. Or de jour mona, chiffre 7. Après ça, nous explication naie. Hein? Alobi te nzambe muta revelenga, mais alobi nini? Boya, hein? Mais ah, tout monde la Bible différemment. Nzamba yebisi le jour lobi sala boy sala bo. Mona kuna pasteur alobi nini? Na bengi bino boya, jour boye. Boye, makambo boye boko mona ko salama. Boye boye. Donc, lui il se positionne à la place de Jésus. Or déjà ce qui est flou et compliqué. Pourquoi? Sept na yewana. Et qu'on appelle sept oyo, il y a serpent, il y a Moïse ité. Mais il y a serpent à Nini, il y a Égypte. Quand je dis 7, il y a serpent à Égypte, c'est par rapport aux connaissances mystiques, ésotériques à Nini, il y a science occulte, Nakati, il y a Égypte. Parce que il y a la sagesse, parce que il y a la sagesse du serpent. Quand je dis la sagesse du serpent, pourquoi? Parce que na Nini, na écoute, il y a Pharaon, il y a Omona, il y avait un serpent qu'on mettait là. Hein? Serpent, on a. Oyo azagi différent d'un serpent à Moïse. Donc, il symbolisait juste une sagesse mystique, sagesse ésotérique. Au moment na nini na tête ya nini ya chapeau ya pharaon. Mais vous avez aussi parlé de l'ignorance dans l'église. C'est un peu de réveiller ban nzambe mususu. Na ba na numérologie mususu tout monde encore. Numérologie, même dans les téléphones il y a la numérologie. Ah bon? Je dois expliquer ça. Ceux qui battent pendant bayer baraté que numérologie ça partout hein, même dans les téléphones animaux tout le monde a le téléphone bah commis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et ceux qui ont au moins il y a un carré magique et ça les biso tu bien au carré hein bah téléphone mignon au moins bah téléphone surtout bah touche hein, parce que aujourd'hui on a des téléphones Android au moins on a bah téléphone on a chiffre 1 2 3 4 5 6 biso le biga et ceux qui ont 9 parce que tu es baraté utilité dans côté belé bayer baraté utilité dans côté pourquoi qu'on a bah 9 chiffres bah quand tu as 12 t'es. Pourquoi tu as 20 mais tu as 9. Pourquoi 9? Or, au moins déjà que et bon, mais le biso langage m'a codé. Donc, 1 est 9. Donc, comment tu as une source? Donc, il y a une la Bible, le jour, tant que tu as créé, tu as 7. Hein? Le 7e jour, Dieu se reposa. Continuité, le jour, tu as une source qui vivre dans mon kil. Mais pourquoi tu as 9 chiffres? Or, au moins, il y a une loi des nombres. Il y a une loi des nombres. Or, la loi des nombres, c'est un enseignement mystique. Et quand il dit aussi la science occulte, au moment on a 1 plus 2, parce que dans la numérologie, il y a quoi? Il y a les signes de l'addition et de la soustraction. Ils ont fait ça juste symbole, numéro, mon robot. Tu es régulièrement, même dans l'Apocalypse, même tout le monde a rompu. 666. Ça nous donne une marque ou un numéro de 666. Donc 666. Ah, un téléphone à batouche. Ah. Merci. Je ne sais pas Obenda. Il y a le carré magique. Carré magique, c'est juste quelque chose qui nous aide à
comprendre le cercle de notre vie. Tout le monde a un peu de temps dans les mathématiques. Hein? Dans l'école secondaire, la première, la sixième primaire, on a un carré magique. C'est quoi? Et Zanine, on a l'addition de mon hein? Toute soustraction, il y a un nombre encore. Donc, on a un chaboué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis, ça a un calcul de l'union, ça a un chiffre, mon corps. Par là, na banda. Tout ça, on a signé addition. 1 plus 2, et puis, ça a un 3. 3, 3 additionnels, on a 3 O. Et puis, ça a un 6. Or, 6, ça a un monde, on a un 6, moussous, awa. Parce que comment tout le monde est 6 O, awa? 4 plus 5, et puis, ça a un 9. 9 plus 5. 9. 9 plus 6, oyo. Et puis, c'est 15. Comment ça? Parce que, awa, ton sel, la addition, ton sel, la soustraction. Parce que dans le bi, animologie, ça a des symboles. Donc, des symboles arithmétiques, hein, parce que c'est dans la mathématique. Comment ça? Dans le symbole, on a awa, pour 6 oyo, plutôt pour moi, 6 oyo. 15 oyo, bimi, awa. Tu divises le nombre oyo, bimaki, à 9. Et puis, ça a 6 ka oyo. Et on a 6 et tikali. Et puis, awa, tu as 9. Ce qu'on 9 oyo, au moins il y a 9 mouré bimagi awa. Ce qu'on 9 oyo, si tout le monde en a boy, si on a calculé 7 plus 8, et puis c'est combien? 15. Et puis c'est 15. 15, et donc c'est 9, tout le monde est 9 awa. 9 oyo, c'est à soustraction à 9 oyo. Et ça, c'est combien? 6. 9 moins, 9 moins, et 15 moins 9. Et puis c'est 6. Or, au moins on a 3, 6, 9. Ce qu'on a tout ça la soustraction, combien par 3 donne 9? Donc, on a le téléphone de Mobimba, ils ont un carré magique. Bato Bele Baye Barate. Donc, Mobimba, hein, c'est la science occulte. Je dois être très clair. Mobimba, c'est la science occulte. Il y a un monde qui a. L'homme de Dieu, on a un peu de temps pour que le téléphone tourne. Pour que je me pose mais ce que la science occulte, c'est. Merci beaucoup. Je n'ai pas eu de la téléphone. Mais juste que. Tout ça, mais ma peuple de Dieu n'a connaissance. Il y a reparvenir, il y a un mystère où il y a caché dans l'univers, dans la nature. Hein? Au moment où tout dans la nature, je venais de le dire là, il y a la loi des nombres où il y a une bonne numérologie. Et ça, mystérieux. Donc, Mokili Samina, 7 jours. Au moment. 6 jours, nous avons créé Mokili. 5 jours, a créé Biloko, Mokili, a créé les cieux, la terre, tout ça. 6e jour, a créé Moutou. Donc, au moment où les chiffres de l'homme, même chez les chiffres 6. Septième jour, Abinza va se reposer. C'est les chiffres de Dieu. Les chiffres du repos de Dieu. Or, tout le monde a même que, surtout Kei, dans les prochaines émissions, nous allons expliquer les chiffres mon corps, comme je venais de le dire ici, bibliquement parlant, et puis, du côté mystique. Ok, l'homme de Dieu, tu as cité vraiment, tu as cité et. Ah, mais oui, que Tiki va abonner la biseau à Congo Lipanda na posa et je pense que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Juste quelques minutes, y a opé ça va, y a opé mbote et puis y a koloba moi liloba moko po na ba na Nzambe o bazolanda yo. Bon, merci beaucoup. Je vous remercie monsieur le journaliste et puis na remercier la chaîne Congo Lipanda où y a vraiment pèsi biseau sous opportunité wana et puis yakolobe la makambo yo na pesi pena mbote na mukolo chenya Jimmy Achoki monsieur Jimmy Achoki na pesi mbote sika zali et puis na pesi mbote na ba internet nyonso o bazolanda continuité ya masolo na biso ya ba vérité dans l'église et puis les mystères dans la nature parce que c'est ça nous parlons de vérité de l'ignorance dans l'église et de la connaissance n'apprécie vraiment internet nous sommes beaux et puis je n'oublierai pas de saluer aussi ma tante maternelle qui est en Angleterre maman Alice Place Azali n'apprécie beauté et puis n'apprécie bah nous soyons ami connaissance là je vois Kevin na États-Unis n'apprécie vraiment beauté n'apprécie yanga Big G yanga vraiment déco asap en Amérique voilà n'apprécie beauté. Merci ben internet nous sommes beaux vraiment merci beaucoup je remercie aussi. Mais question moi souka quand on a tout na tant yo posa qui occultiste au bon mapé bato. Bon. Merci beaucoup. Bon. Ce qui te lobby parce que l'occultisme pour atteindre un niveau extrême demande des sacrifices. Donc au bon mapé.
Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Tous les gens qui ont un prophète Nabiso, Yende, Tosanaye, Tosotambolanaye, Tokabouane, Lelo, Nalobite, comprenez quand même, nous sommes à Kinshasa. Et puis, Tovani, na balabala, Tobaki, Tolaksape, Bandego Nabiso, Bakenda, Potokala, Babosana, Kinshasa, à Tosana, Matete, na quartier Bateke, et si Kap, Toyu, Kozoa, Motonanzambe, Poto Solanaye, sur les mystères de la numérologie. Donc, Toyo, qui quand même, bah, secret, Vanda, na téléphone, Tosale, Laka, Alobi, Aropanzalisus, na émission, Oekoya. Tous à la toujours branché la chaîne Nabiso Congo Lipanda. Et là j'ai dit merci na Jimmy Acho qui notre boss Montaboy chômage et Zanamboka. Merci à toi Belvie Kandi na ba conseil na ba encouragement Marina Laba, Lisa Diasiloa, équipe Mobimba et Belvie TV. Donc merci Nabino. Équipe Mobimba, vraiment, bah, merci Nabino. Ah, là, j'ai dit aussi joyeux anniversaire à l'Agera Panthère Noire, Jérémy Choma. Azana Poto, Babi Moussouaï, Limo, Boya, Pembe, Siko, Azamote, ma LM, Laetitia Mwamba, Moulouba, Mope, Boya, Pembe, Don Wambale, couple à Pembe, l'Agera Panthère Noire, joyeux anniversaire, Jérémy Choma. Donc, Wanando Inanga, en tout cas, joyeux anniversaire. Ça s'est fait une année de plus, ça s'est fait. En tout cas, une année de plus, ça s'est fait. Merci à toi, Jody, à tout ou à bonne guérison, parce que je sais que tu es malade. Bon retour et pays à Ursil Pechanga. Alors, tu as passé bah, bon moment à Dubaï. Maintenant, il est de retour à Kinshasa. Et je pense que tu as un micro à Congo Lipanda. La semaine prochaine, tu as un Ursil Pechanga. Tu as un Yé et Longo. Et puis, merci à toi, Palmish Ayake, la fille au Bosier. Et à mon boss. À mon boss Jimmy Achoki, d'ici là, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao. Congo Lipanda. Oh, Congo Lipanda. Congo Lipanda. Si tu es pas un bouka, Congo. Azeli kanisi ya malamu puna kosepelisa banamboka Congo. Congo Lipanda. Azeli libango Congo Lipanda. Peningali puna kuyeba historia Congo. Landa Congo Lipanda.